todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. J'ai la possibilité de sortir d'ici et de pouvoir aider Roque et de faire ma vie avec l'homme que j'aime. Je dois simplement ouvrir cette porte, aller dans la cour et sauter. C'est tout simple. Mais j'ai peur. Peur de quoi? De quoi? De quoi? Une fois mort, on ne court plus aucun danger, et si je reste enfermée, c'est la seule chose qui m'attend. Être une morte vivante. Ce sera peut-être la... l'unique chance que j'aurai. Oui, c'est l'unique chance que j'ai, mon Dieu. Donc je suis avec toi. Je suis avec toi, Seigneur. Qu'advienne ce qu'il advienne, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mon chéri, rien. Hier soir, on a eu envie d'approfondir nos connaissances en anatomie. Pourquoi? Quelle heure il est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non. Rien. Non, rien. Ce qui se passe, c'est que... Rien. Il ne se passe rien, Juancho. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'en fais pas, je suis open mind. Quel est le problème? Tu as posé un lapin à ta maîtresse? Faites très attention. Pas de problème. Attention. Oh, doucement. Oups. Comment se porte ma patiente? Qu'est-ce que tu crois, sale monstre? Complètement angoissée. Oh, Reynaldo, mais cette femme a l'air totalement consentante, hein? Mon enfant, du calme, du non. calme. Non, Garcia, ok? Ok. Attention, allez, on compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Ah. Ça y est, faites attention, attention. Messieurs, dames, s'il vous plaît, prenez le brancard, oui. Ok. Salut, Valeria. Salut. Tenez, docteur. Merci.
Bon, messieurs, vous êtes prêts? Non, 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 chérie, tu as l'esprit mal tourné. Ce qui se passe, c'est Valéria. Valéria, Valéria a eu un problème avec sa grossesse. Non. Hier soir, oui. Je ne t'ai pas raconté, hein? Non? Mm-hmm. Ah, non. Où j'ai mis mon portable? Sur la table de nuit, mon chéri. Et qu'est-ce qu'elle a, Valéria? Valéria, elle... Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas vraiment. En fait, moi, hier soir, j'allais sortir pour la voir. Juste au moment où... Oh bon, tu es... Ah, mon amour, pardonne-moi, Juancho. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne mes mauvaises pensées. Je te connais déjà une maîtresse, mon amour. Pardonne-moi. D'accord? Tu ne changes pas, Maroja. Toi non plus, mon chéri. Tu es toujours aussi efficace. Siento como tu mirada. Comment ça va? C'est bon, c'est terrible. Tranquillise-toi. Ok, mets ça de côté. Tout va très bien se passer. Bien sûr que tout va très bien se passer. Mon amour. Pardon. Écoute, tu ne veux pas une anesthésie générale comme ça. Regarde, tu ne sentiras rien. Quand tu te réveilleras, tout sera terminé. Non, merci. Tranquillise-toi, Valéria. C'est déjà suffisant avec le sédatif. Il m'a rendue toute vaseuse. Mon amour. Quoi? S'il te plaît, promets-moi quelque chose. Ce que tu veux. Tu restes près de moi. Tu resteras près de moi. Bien sûr. Tu ne pars pas. Bien sûr que je vais rester. Je te le promets. Une petite seconde. Est-ce que l'anesthésie est prête? C'est de la faute de ce type si je suis prisonnière. Non, celle-là, je lui ferai payer à ce salaud. Tu vas voir. Pour celle-là, je dois me venger, je veux. Les voir tous les deux, ils verront bien, je vais me casser d'ici, oui, je vais me venger, c'est certain, ils vont voir ce qu'ils vont voir, bien sûr. Eh, viens voir, j'ai un truc à te montrer. Allez, viens. Eh, t'es marrant, toi. C'est le moment ou jamais. Impossible de revenir en arrière. Venez les gars, on suit les chefs là. Je suis si près du but, mon Dieu. Aide-moi. Aide-moi pour ces quelques pas qui restent pour sortir de cet enfer, s'il te plaît. Je t'en prie, Seigneur. Tu peux le faire. Mets-moi du côté où l'on ne voit plus tous ces barreaux, Seigneur. Je t'en prie. Je te le demande plus que tout au monde. Anna, Julien, ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Souviens-toi que c'est ton fils. Aide-moi. Seul pas de la vie. Allez, viens, on va boire une bière, je t'invite. Il y a trop de gardiens. Cela ne va pas être facile. Ça ne sera pas facile, mais je suis dans la dernière ligne droite, mon Dieu. Aide-moi. Donne-moi un coup de main. Le camion poubelle. Mariella, je te la dois, celle-là. Poubelle!
T'as besoin de frapper comme ça, toi? Poubelle, messieurs, poubelle. Allez. Excusez-moi, tu connaîtrais pas cette adresse? J'ai besoin de la trouver. Venez. C'est là dans le coin, mais je sais pas où. Vous n'auriez pas une idée? Écoute, je sais vraiment pas où ça se trouve, mais je t'avoue que je m'en fous un petit peu. C'est fini, ma puce. Un point de plus, et nous avons réussi, suture. Tu vois comme tout a été rapide, Valéria. Tout s'est très bien passé, mon amour. Comment te sens-tu? Valéria, mon amour, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Valéria, Rebecca, elle a perdu connaissance. Valéria. Elle n'a plus de pouls. On n'a plus de pouls. Valéria. Vite, tous en place. Que se passe-t-il? On la perd. Vite. Maria, Valéria. S'il vous plaît, vite, électrochoc. Préparez le défibrillateur. Vite, c'est fait, docteur. Vite, plus rapide que ça. Allez, on y va. Sûr? Ouais, sûr, vous tournez à droite, là. Là, et vous tombez sur le... Oui, là-bas, donc. Là, ici. Ouais. D'accord, bon, c'est bon, non? Ok, merci. Merci. Mais attends un peu ici, une seconde. Ouais, sûr, vous tournez à droite, là. Là, et vous tombez sur le... Oui, là-bas, donc. Là, ici. Ouais. Oui, bon, c'est bon, ça. Là, non? C'est ça. Ok, merci. Merci. Mais attends un peu ici, une seconde. Il y a quelque chose de suspect ici. Bon, allez, c'est bon, bouge. Allez, bouge-toi. J'ai réussi. Je suis libre. Abruti! Vous l'avez laissé se faire la malle? Mais cherchez encore, il doit bien être caché dans cette prison, non? Je suis désolé, monsieur, mais on a tout fouillé. Il a complètement arraché la fenêtre, monsieur. Mais alors, qu'est-ce que vous foutiez pendant que cette ordure se moquait de vous, hein? Qu'est-ce que vous foutiez? Mais que foutiez-vous, bon sang? Valéria, il faut la ranimer, allez! Allez, s'il vous plaît, plus vite! Tenez! Allez, Rinaldo, plus vite! On la perd, là. Allez, Valéria, mon amour, allez, dégagez, j'y vais. Ok. Valéria. Allez, Valéria, mon amour, allez. Il faut que je saute. Maintenant, je dois courir de toutes mes forces et me cacher dans la forêt pour quelques heures. Non, c'est pas possible. Ils vont me trouver. Non, mon Dieu, ce serait trop cruel, trop injuste. Ne me trahis pas, s'il te plaît, aide-moi. Mon amour, allez, dégagez, j'y vais. Elle est toujours sans pouls, Rinaldo. Elle ne réagit pas. Allez, encore une fois. Allez, mon amour, allez. Tu peux le faire. Allez, encore, Rinaldo. Plus fort. Dégagez. Non, ils vont me trouver. Valéria, ne pars pas. Pars déjà. Oui, s'il te plaît, continue, s'il te plaît. Ne pars pas, Valéria, non. Rinaldo, s'il te plaît. Vite. J'ai perdu Anna Julia. Donne-moi plus de ça. Mort. Arrête, je t'en prie. Chargé. Dégagez. Je crois que ça a été les heures les plus angoissantes de ma vie parce que... Ok. Bon. Toi et moi, c'est une renaissance. Pour toi et moi, c'est une renaissance. J'ai rêvé de ce moment tant de fois. Je me le suis imaginé tant de fois, ok. Tant de fois.
S'il te plaît, dis-moi que je ne suis pas en train de rêver. Jure-moi que ce n'est pas un rêve. Non. Non, écoute. C'est un rêve. Non. Si, notre rêve. Notre rêve. Ma belle Chuyu. Chuyu ? Ma belle Chuyu. Qu'est-ce que c'est ? Siento junto a mí y estando ausente, yo solo creo en ti, tan solo ahora que he pensado en mi camino, tan solo ahora yo escribo mi destino. Mon épouse ne peut pas mourir. Mon épouse, non. Bien sûr que non, tu fais tout ton possible. S'il te plaît, Reynaldo, tu calmes. Écoute, Reynaldo, s'il te plaît, calme-toi. Cela ne fait aucun bien, ni au bébé, ni à Valéria. S'il te plaît, sors. Il vaut mieux que non, tu non, sors. Non, Corinna, je lui ai promis que j'allais rester à ses côtés, non. Mais... C'est bon, chargé, docteur. Assunta, à 30. Calme-toi, Reynaldo. Dégagez. Dégagez. Oh, c'est pas vrai. C'est bon. On l'a, Reynaldo. C'est bon. On l'a. Valéria. Valéria, mon amour. Mon amour. Valéria, regarde-moi. Valéria. Contrôle le bébé, d'accord? Contrôle le bébé. Mon amour. Mon amour. Je ne sens pas le bébé. Du calme, Valéria, du calme. Mon bébé. C'est pas possible. Mon bébé. Alors, quel rêve. Surprise. Oh non, ce n'est pas possible. Merci. Mais comment avez-vous fait tout ça? Bon, c'est rien. L'important, c'est que ce soit bien fini. Oui. Mais tu sais qu'on a démarré à 2h du matin, tout endormi, mais on a réussi. C'est à ce moment-là que j'ai pu arracher cette fenêtre de la chambre où il m'avait enfermé, je l'ai arraché. Non. Non. Écoute, maintenant, il ne faut pas traîner, hein. Oui. Parce qu'ils doivent déjà s'être rendu compte que... la plus jolie prisonnière de la prison est partie. Enlevez ça. Retire ça, Romulo. Vous sentez mauvais. Génial, l'Indien, génial. Les ordures. Quoi? Capitaine! Comment ça encore les ordures? Enlève ça, garçon! Attendez, il y a un problème! Ouais, il y a un problème! Ils nous ont assigné cette route, monsieur! Regardez, si vous voulez, appelez mon entreprise, voilà leur téléphone! Bien sûr qu'il y a un problème! Une autre équipe est déjà passée! Et vous? Vous êtes qui? Les employés, monsieur, des ordures! Risque d'évasion! Donnez l'alerte générale dans toute la prison, risque d'évasion! Bon, allez, vous deux, à l'intérieur! Risque d'évasion! Donnez l'alerte générale dans tous les bâtiments de la prison! Risque d'évasion! Ok. Ça va. S'il te plaît, donne-moi une minute. Viens ici, l'Indien, écoute-moi. Une minute. Nous nous séparons ici, l'Indien. Que veux-tu que je fasse? Prends soin de Charlie, mon vieux. T'es lui de rester tranquille, d'accord. Qu'elle ne bouge pas de la maison, de ta nièce, qu'elle reste calme. Quand nous serons dans un endroit sûr, on vous contactera, hein? D'accord. Qu'elle reste tranquille, l'Indien, et qu'elle obéisse, qu'elle se souvienne qu'elle est enceinte. Ne t'inquiète pas, Roquet. Je la protégerai comme si c'était ma propre nièce. En plus, Benjamin pourra m'aider. Ce jeune garçon, tout comme à toi, l'Indien, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Partons. Ciao. Allez. Je ne pourrai jamais te remercier assez pour ce que tu as fait pour moi. Merci. Dans 2 jours, on se voit, hein. Tu connais l'endroit. Ciao, Romulo. Allez. Taikuma. Arendodu. Mayaka Uloka. Que le Dieu Tout-Puissant et la forêt leur viennent en aide. Et les protège. Il va très bien. Ma puce, il ne faut pas t'en faire. Le bébé va très bien. Il est complètement stable. Merci, mon Dieu. Merci. Je ne sentais pas le bébé. Je ne le sentais pas. Mon amour, c'est normal. C'est à cause de l'anesthésie. Mais ne t'en fais pas. Le bébé va très bien et il ne faut pas t'inquiéter. Nous te laissons ici un moment en observation et après nous t'installerons dans une chambre. D'accord, Valéria? Je resterai vivre ici pour sauver la vie de mon bébé. Docteur, pourquoi vous ne sortez pas pour voir votre famille? Allez. Vas-y, Reynaldo. Tu peux y aller, il ne va rien arriver. Je me sens bien. Corinna est là. Ok, c'est bien. Mais promets-moi quelque chose, mon amour. Je ne veux plus de nouvelles frayeurs comme celle-là, parce que j'ai une santé de fer, mais une autre alerte de ce genre, et c'est l'infarctus. D'accord? Bienvenue à la vie. Prenez soin d'elle. Oui.
Oui, parfait. Reynaldo, dis-nous ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, arrêtez, s'il vous plaît. Laissez parler notre Reynaldo. Mon amour, que s'est-il passé? Bon, Valéria a fait une baisse de tension et a perdu connaissance à un moment. Mais elle va bien maintenant. Ça va, le bébé va bien lui aussi et désormais elle est en observation. Mais dis-nous, mon amour, c'est vrai que Valéria nous a quittés quelques secondes? Oui. Oui. Pendant quelques secondes, je vous avoue que ce fut les secondes les plus longues de ma vie. J'ai vraiment cru que j'allais les perdre tous les deux. Ça va. Tout est fini. Oh, par Jésus, le Fils de Dieu, tu ne peux pas vivre cette tragédie de nouveau, mon fils. Ça va, Martina, ça va, c'est bon. Veuve deux fois, ça serait pas de veine. Bon, l'important, c'est que Valéria soit dans un état stable et qu'elle récupère, non? Loué soit le Seigneur. Une frayeur, mon fils, rien de plus. Une frayeur, mais tout est fini. Maintenant, le moral va revenir. Hmm? Rocky, arrête, Rocky. Tu vas trop vite. Je sais que j'ai de bonnes jambes, mais rappelle-toi que je suis restée enfermée 3 mois dans une cellule de 4 mètres carrés et dans de mauvaises conditions. Merci Dieu pour ça. Pourquoi? Parce que moi aussi, je me fais de plus en plus vieux. Du calme. Ça va, du calme. On nous suivrons la rivière, nous n'allons pas laisser de traces, hein. On va se reposer un peu, hein. Vraiment? Bon, bien. Excuse-moi, d'accord? D'être si peu attentif, mais nous devons reprendre. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, hein? Oui, je sais. Je sais, mon amour, je sais. Je sais. Et je te jure que j'irai chercher les forces au plus profond de moi pour courir avec toi. Parce que c'est ce que je veux. Être avec toi. Faire ma vie avec toi, de toi et de tout ce que je ressens quand tu me serres dans tes bras, quand tu me regardes, quand tu m'embrasses, Rocky. Écoute-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Non, si, écoute-moi. Pardonne-moi pour d'avoir été si maladroit. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru. Pardonne-moi, d'accord? Chut, non. Je n'ai rien à te pardonner. À partir d'aujourd'hui, on recommence tout à zéro. C'est un nouveau début. Et personne, écoute-moi bien, absolument personne ne pourra nous séparer de nouveau. Je te le jure. Désolé, docteur. Reconnaissez-vous cette alliance? Tu te remets de tes émotions, on dit? Non. Vraiment? Voir Valéria quasi morte m'a vieilli de 10 ans, mon vieux. Je te jure que j'ai cru la perdre. Arrête, hein. Reste calme. Valéria ne pourrait pas te faire vivre ça à nouveau. Elle sait combien tu as souffert de la mort d'Anna Julia. Tu sais quoi? Ok. Allez du cran, Gabaldon. Allez du cran, mon frère. Exprime ton amour à cette femme. Va lui donner toute ta tendresse. Elle le mérite vraiment. La première chose que je dois faire, c'est de remercier sa détermination de me donner le fils qu'Anna Julia n'a pas pu me donner. Et pour être là, Reynaldo. Et combattre pour réussir à garder cet enfant en vie, au péril de la sienne. Cela montre à quel point cette femme t'aime, Reynaldo. Et je la remercierai toute ma vie pour ça. Mes garçons, vous savez que vous êtes ma raison de vivre. Ma force. Et ceux qui vous aiment, non seulement gagnent mon amour inconditionnel, mais il s'assure aussi une place privilégiée dans notre famille. La famille la plus solide du monde. Merci. Mettez-vous en
En rond, toutes ici. Non mais pourquoi? Regarde, mais arrête ma fille. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi cette inspection? Qui s'est enfui pour que vous nous ameniez toutes par ici comme du bétail? Tais-toi, tais-toi et tiens-toi tranquille pour l'inspection, ma fille. Ah, d'accord. En nous comptant, vous allez trouver cette petite perle. C'est qui donc? Qui est celle qui s'est enfuie? C'est celle aux mille visages, Neke. Maria Ruiz, ta grande amie, tu vois? Quoi? Ma bosse? Non, ma fille, ça t'apprendra que la reine de cette prison, c'est Maria Ruiz. Vive Maria Ruiz! Maria! Je ne comprends pas quel besoin avait Roquet d'aller se bousiller la vie. Mais c'est fait. C'est fait. Prisonnier à cause de son obsession. Quelle idée d'aller défendre cette criminelle. Ah, Vaniva, si Roquet se met dans cette galère, il doit avoir ses raisons. Non, ma fille, il s'est complètement trompé. Parce que ça ne fait aucun doute que Maria Ruiz est une criminelle, ma grande. Si tu le dis. Pourquoi? Tu en doutes? Bon, ça doit être pour ça le mouvement qu'il y a eu à la frontière. Quel mouvement? Il y a toujours eu de la contrebande dans la jungle. Et ça, tout le monde le sait. Avec leur chef prisonnière, ça ne te semble pas bizarre? Merci, 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 mon Dieu. Merci. J'ai encore du mal à croire que je suis ici, que je suis libre et que je suis avec toi. Avec toi et entourée de toute cette beauté, Roquet. Viens, viens un peu ici. Regarde. Un petit peu. Cette terre serait un paradis si les hommes n'étaient pas si fous, tu sais. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Quoi? Je t'ai promis que j'allais te sortir de là. Que j'allais t'offrir le ciel, le soleil, l'air, la liberté, la vie. La vie! Et aujourd'hui, écoute-moi bien, tu vois. Écoute-moi. Aujourd'hui, c'est le jour le plus heureux de ma vie d'avoir réussi tout ça. Et le mien? Tu m'as offert la liberté, la vie. Et ça, je ne l'oublierai jamais, Roquet. Jamais. Tu es innocente. Bon. Il n'y a encore pas si longtemps, j'étais innocente. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que désormais, je suis coupable pour avoir fait de toi un fugitif. Ah, mon Dieu, mon Dieu. J'ai pris l'habitude de vivre ainsi. Crois-moi, il y a une justice qui tarde, mais elle arrive. Écoute, Lalita. Et toi, qu'est-ce que tu sais de la contrebande qui se passe là, à la frontière? Ah, ma vieille, c'est qu'ici, je sers tous ces mineurs, je suis au courant de choses que je ne devrais pas savoir. Ça, je l'ai écouté l'autre soir, des types, là, qui parlaient entre eux. Ma grande, si Maria Ruiz, c'est vraiment la femme qui est emprisonnée là-bas, pourquoi ces gens continuent leurs affaires comme si de rien n'était? Dégage, bon, toi! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, dis? Si toi, ce que tu veux, c'est un verre, tu n'as pas besoin de casser ma boutique. Ou c'est que tu cherches quelqu'un? Par exemple, Maria Ruiz. Accouche, j'ai pas toute la journée. Ah, Charlie. Que t'arrive-t-il à toi avec cette voix contrariée? La rue est sans dessus-dessous. Il y a des gardiens et des policiers de tous les côtés. Et pourquoi donc? Que se passe-t-il? Bon, mais Charlie, promets-moi de ne pas devenir hystérique, parce que cela pourrait faire du mal à ton petit. Qu'est-il arrivé, Margarita? Aïe, Charlie. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ton papa et Maria se sont échappés de prison. Oh, mon Dieu. Chut, jeune fille, parle plus bas. Romulo, c'est bien la vérité, c'est vrai ce que raconte Margarita. Oui, ma fille, mais ce serait mieux que vous vous asseyiez. Je dois vous parler à toutes les deux. Assieds-toi, mon amour. Merci d'avoir gagné cette bataille.
Merci d'avoir préservé ta vie et celle de mon neveu. Bien, je n'en attendais pas moins de toi. Bien, je pense que je n'avais pas d'autre alternative, non. Les roses sont arrivées. Frangin, je ne savais pas que tu étais là. Non, non, tranquille. J'allais justement partir. Bon, excuse-moi. Je peux te demander ce qui se passait ici, Rien, rien. C'est simplement que tu as un frère avec de merveilleux sentiments, c'est vrai. Et que tu dois être réellement très fier de Sébastien. Je le suis. Je le suis, même si il me manque vraiment, le Sébastien. Plein de rêves et d'enthousiasme. Tu sais, cela me fait mal de le voir comme ça, abattu. Ce n'est plus vraiment mon frère. Non. Non, je le sais bien. Il est devenu complètement différent depuis qu'il est rentré de la jungle. Je me demande même pourquoi il est revenu ici. Bon. Oui. Cette décision doit sûrement avoir un rapport avec la fille qu'il a rencontrée là-bas. Oui. Oui, je le sais. Une partie de ma famille est au courant, même mon père. Mais je ne sais pas, Sébastien ne dit rien. Personne ne sait ce qui s'est passé. Je sais. Mais je sens qu'il a laissé une partie de lui dans la jungle. Et Chari est devenu son secret le plus précieux. Oui. Écoute, ton papa m'a chargé de prendre soin de toi, Chari. Donc tu resteras un peu avec nous. Jusqu'à ce que les choses se calment. Mais pourquoi je ne peux pas aller chez moi? Mais parce que c'est là qu'il ira chercher Attilio. Écoute, ma fille, il doit avoir mis une armée entière à la recherche de ton papa et de Maria. Ils les chercheront sous le moindre branchage. Bon, et moi, je ne peux pas sortir? Je dois quand même m'occuper de ma boutique. C'est d'accord, mon amour, mais sois discrète. Ne parle à personne et ne fais aucun commentaire, d'accord? Oui, je savais. Je savais que mon papa n'allait pas laisser tomber Maria. Et encore moins depuis qu'il savait qu'elle était innocente. Et restez calme, il ne va rien leur arriver. Ma Vierge Maria va les protéger. Tu vas voir, Margarita. Bon, maintenant, en vérité, c'est que celui qui m'inquiète, c'est Benjamin. Que va-t-il lui arriver? Vous me passez la zone au peigne fin, centimètre par centimètre. Je veux qu'on m'amène la tête de ces deux bipèdes troglodytes sur un plateau d'argent. C'est bien compris? Chef, c'est qui va diriger la battue? Je comprends pas pourquoi vous tenez absolument à recruter ce type. On va voir si tu es meilleur que ce salopard de Roquet. Voyons voir. Tu me le ramènes ou tu me le ramènes pas? Bien sûr que oui, patron. Regardez, je vous le jure sur mes deux poings liés que je vous le ramènerai. Bien sûr que si. Mais ça oui, ce type je le tue moi-même. Et je le tue à ma façon. Ok, ça va. Vous avez entendu? J'allais reprendre le commandement. Obéissez à tous ses ordres. Mais attention, je compte sur toi. Pas d'accro. Je ne veux pas que tu me stresses, parce que sinon, ce n'est encore plus mal pour toi que pour ces deux... que pour ces deux-là. Oui, monsieur. Oui, monsieur, pas de soucis, patron, pas de soucis. Bon, vous avez entendu notre chef? Bougez vos fesses, bougez-vous! Toi, va chercher les munitions. Vite, bouge-toi de là! Toi, fais le plein de tous les véhicules. Remue-toi, fainéant, allez! Allez, vas-y. Et toi, mon petit soldat, viens ici. Toi, je te désigne sous-chef de l'opération. Toi et moi, on va coincer ce stupide Roquet dans nos filets. Tu m'as compris? Va chercher ton arme. Bouge-toi! Allez! Vas-y! C'est une violation de domicile. Tu n'as pas le droit de t'introduire ainsi dans mon commerce. Et ça, crois-moi, je vais le dire à Attilio. Il sait déjà que c'est un bar à épave. Un excellent repère pour cacher des criminels en tout genre. Et qu'est-il arrivé à Maria Ruiz? Elle n'est pas en prison alors? La gonzesse s'est évadée. Quoi? Maria Ruiz s'est évadée? Ortega, entrez! Attends une seconde. Excusez-moi, chef. Ça va, ça va. L'arme. Ortega, ne t'inquiète pas. J'ai réuni mes hommes qui fouilleront cette jungle palmier par palmier. Je te promets qu'en moins de 24 heures, nous t'amènerons les têtes de ces deux lascars servis sur un plateau d'argent. Quoi, leurs têtes?
un petit instant. Vous ne leur avez pas ordonné de les tuer, quand même? Mais bien sûr qu'il faut les éliminer, garçon. À quoi pensais-tu? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Dis-moi! Qu'on couvre d'honneur cette paire de minables pour ce qu'ils ont fait? Comprenez-moi, Attilio. Cher Attilio. Moi, en tant que directeur de prison, je suis obligé de respecter un certain nombre de lois. Mais à plus forte raison, comme vous le savez, vu l'injustice que nous commettons envers cette femme. Non! Bon, mais de quelle loi tu es en train de me parler, là? Écoute, cher Ortega, pour que tu me comprennes bien, si tu veux défendre les droits de ces deux personnages, ce que tu dois faire, c'est les trouver en premier. C'est-à-dire que tes hommes doivent les trouver avant les miens, parce que sinon, ils sont morts, voilà, tu comprends? Baniba, j'espère que tu viendras manger avec nous. J'arrive et du boisson juste pour toi. Ok. J'arrive. Aide-moi, s'il te plaît. Merci. Dans 10 minutes, le feu sera prêt. Tu as faim? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce regard? Je sais que c'est pas bien de nous arrêter, mais c'est juste quelques minutes, hein? Non, non. Ce n'est pas ça. C'est... quelque chose que j'ai toujours voulu te demander. Et qu'est-ce que c'est, Chuyu? Chuyu? Mais non, ce n'est pas ce que tu veux savoir, non? Non. Pas tout de suite. Baniba. Baniba, quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Baniba? Quelle place a-t-elle dans ta vie, Roquet? Explique-moi ce que tu vas faire. Quel type de policier es-tu pour qu'une criminelle t'échappe ainsi, si facilement? Justement, elle s'est évadée, cette petite garce. Et facilement en plus, grâce à l'aide de son mari. Il devait être en train de faire du tourisme dans la jungle. La contrebandière et ce type... Roquet, c'est bien le nom de ce type, non? Qui? De qui parles-tu, toi, mec? Roquet? Oui, mieux connu sous le nom de Robin des Bois de San Juan de las Minas. Et dernièrement, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu par ici. Alors pourquoi penses-tu que nous sommes là? Si vous apprenez quelque chose sur ces deux individus, ou plutôt fugitifs, vous nous prévenez, ok? Il l'a fait. Alors... Écoute, Baniba a été quelqu'un comme... Attends, elle a été comme un... Comme un petit dessert qu'on a pris ensemble au milieu de la jungle, non? C'est une personne qui m'a aidé à me faire oublier tous mes problèmes, tu vois. Et rien de plus, non? Écoute, comment t'expliquer? Regarde, Baniba est un peu étrange. Personne très, très solitaire, et plus solitaire encore que moi, que... C'est beaucoup dire. Et toi, comme tu es jalouse. Comme okay, tu es non. Jalouse. Oui, tu es jalouse. Moi, jalouse. Ah, ok. Tu es tout, jalouse. Tout ce que tu viens de me dire... C'est bien, mais... C'est bien beau. Mais... Cela ne me renseigne pas sur le principal. Quoi donc? Est-ce que tu l'aimes? Et toi, tu veux que je te réponde ici, maintenant? Oui, maintenant. Oui. Si j'aime... Oui. Oui. Je l'aime bien.
C'est un type réellement ingrat, Lala. Depuis que je suis arrivée dans ce village, je ne fais que me sacrifier pour lui. Regarde comme il me remercie, avec un poignard dans le dos. Bon, Baniba, je sais ce que c'est. Toi, tu ne sais rien, Lala. Ce n'est pas toi qu'ils ont trahi. Ce n'est pas toi qui l'as remplacé par une autre femme. Tu ne sais pas ce qu'on ressent lorsqu'il nous change par une autre. Si seulement il ne l'avait jamais sauvée de cette rivière, il aurait dû la trouver gonflée d'eau comme un animal. Ce qu'elle est. Lalita. Lalita Rock est à moi. Lalita. Rock est à moi jusqu'au jour de sa mort. Bon, si les gardiens l'attrapent, il ne vivra plus très longtemps. Ne dis pas une chose pareille, Lala. Ne le répète même pas. Il ne mourra pas. Elle ne pourra pas me le voler. Ah là là. Lalita. De mes propres mains, j'enverrai cette petite garce en enfer. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Para definirte mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo que responder a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Palabras de dolor.